Bonjour, mon nom est Mike Romero et on est là pour un autre quickie. Nous revenons aux figurines de DC, toujours pas de Wonder Woman, mais d'un super-héros peut-être qui est un peu moins connu. Parlons de Shazam. Donc pas Shazam, mais Black Adam. Oui, une Kotobukiya Artifacts de Black Adam qui était pas chez mon fournisseur officiel, mais chez mon collaborateur 1 million de comics sur la rue Jean Talon, celui qui fournit un comics pour les boîtes Romero Box. Il avait ça sur son étagère, je pense que c'était la seule qui était là, et elle me faisait de l'œil. J'attendais que tombe en spécial car elle est un peu plus chère que chez mon fournisseur officiel. Et au moment où il a descendu le prix, j'ai sauté dessus. Et je ne le regrette aucunement. Donc ne tardons plus, on va passer tout de suite à l'unboxing de la Kotobukiya Artifacts plus Black Adam. Black Adam. J'adore son petit côté métallique sur le costume. Oui, très très beau. On rappellera que Black Adam n'est pas un super vilain. Bien que des fois il soit méchant, balance selon les cas et les besoins, plutôt. Voilà. Donc, je suis très content de l'avoir. J'adore les détails. Black Adam. J'espère pouvoir trouver Shazam un jour à un prix pas trop exagéré. Oh oui. Mais bon. Je veux savoir, vous, qu'est-ce que vous pensez de Black Adam et aussi du fait que The Rock pourrait jouer Black Adam au grand écran. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et comme à l'habitude, si vous avez aimé ce que vous avez vu, lâchez un pouce bleu. Souscrivez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Ciao!